Salut, salut, salut. Bah, on est le dimanche 8 août. 8 août, donc je suis venu hier, c'était sous la flotte, vite fait. Je pense à peu près 2 kilos, entre 2 et 3 kilos de trompette. J'ai pas pu tout ramasser. Donc je suis revenu aujourd'hui avec un petit rayon de soleil. Ça va très bien, donc je vais récupérer ce que j'ai laissé. Voilà. Donc aujourd'hui, accompagné de mon beau-père, qui est déjà en train de ramasser, je crois. Ah, lui, rigole pas, lui. Bon, bah alors, à tout de suite. Allez, c'est parti. Salut Pierre-Alain, tu fais coucou. Je suis là. Voilà, Voilà. je vous présente Pierre-Alain qui a déjà fait les trois premières. Là, il y a Il attend même pas, une hein. belle corne d'abondance appelée trompette de la mort. C'est superbe. Alors voilà, donc la présentation au Alors Pierre-Alain, elle est ça, faite. séché dans les rôtis, c'est magnifique. Bon, bah alors c'est super. Allez, c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Voilà, les amis. Les trompettes, ça pousse. Je sais pas si vous les voyez aussi là-bas, il y en a un paquet. Ah oui. Là, c'est joli, là. Viens voir, Pierre-Alain. Fais gaffe juste de ne pas marcher dessus. Ouais, c'est ça le problème, tu vois. Viens voir ce qu'il y a là. Attends, attends, Ça, c'est magnifique. là. Voilà, regardez-moi ça, comment ils sont beaux. C'est des Voilà. bouquets, on dirait des bouquets de fleurs. Ah oui, là, il y en a. Eh, Là, je vous vois. Ah, magnifique. il y en a des belles. Oula. Des belles, des gros. Ah oui, là, il y en a beaucoup. Là aussi. Et c'est des gigantesques. Là aussi. On voit aussi de loin. Je pense que vous les voyez. Je continue à marcher. Je fais attention de ne pas marcher dessus, Pierre-Alain, hein. Mais tout là, il y en a des magnifiques. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est il y en a des plus clairs que d'autres. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et ça aussi. Et encore là. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors, effectivement, donc les trompettes, comme vous le savez, à filmer, c'est pas pareil que les cèpes. Les pieds de montant, parce qu'il y en a toujours trop et puis on les voit pas super bien. Alors quand on filme, on n'a pas l'impression des fois de montrer grand chose. Et puis voilà, donc c'est pour ça que je pense que ça sera une très très courte vidéo. Pourtant, je vous le dis, hein, il y en a vraiment de partout. Hein. Voilà, les amis. Allez, sur ceci, à tout à l'heure. Bon, bah voilà, les amis, ça va être une très très courte vidéo, effectivement. Bah c'était rapide parce que bah, les pieds de mouton, bah, on tombe sur un tapis de pieds de mouton, donc on ramasse et puis comme je dis, filmer, voilà, j'ai essayé de filmer un petit peu, mais on pouvait pas faire parce que j'ai l'impression qu'on les voit pas super bien et puis quand on les ramasse c'est pas pareil. Alors voilà, bon, je vais vous montrer la cueillette et voilà, ça fait quoi, on est resté de nouveau une vingtaine de minutes, ouais. Alors je vous montre la cueillette. Hein. Donc voilà, de nouveau, ça c'est le sac des beaux-pères, Pierre-Alain. Et puis ça c'est le mien aujourd'hui. J'ai parti avec un sac comme ça parce que hier, le sac en papy il m'a lâché. Donc je vais vite les sortir des sacs. De toute façon, je suis à côté de la maison. Voilà. Donc je pense qu'on doit être vers les 4-5-6 kilos. Ouais, entre 5 et 6 kilos. Ouais, 5 et 6 kilos. Ouais. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. À la prochaine, ça sera, je pense, ça sera une vidéo en altitude. Je vais essayer de retrouver les cèpes parce qu'en pleine avec le froid qui fait, il n'y en a plus. J'ai vu qu'il y a des gens qui en trouvent en altitude des cèpes de Bordeaux. Alors je vais tenter ça la semaine prochaine. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao, merci. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous et abonnez-vous et abonnez-vous.